Bonjour les lutins, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, The Walking of Us. Ça va être l'histoire sur le projet Zomboïde de Dame 5965 alias Victor Flantier et moi-même sur ce jeu incroyable et indémodable. Donc là déjà ça démarre mal parce que la voiture ne démarre pas. Déception. Mais finalement, voilà, on ne renonce jamais et c'est parti. Le but du jeu aujourd'hui, c'est la vendetta, c'est la vengeance. On est parti la veille en ville, on s'est fait déchirer et aujourd'hui, on n'a qu'une seule soif, c'est de cramer toute cette ville. Alors c'est moi au volant, évidemment, car on sait que je suis le pilote de la fratrie. Donc là, on est armé, on a mis des bombes dans le coffre. On est parti clairement pour une seule chose, foutre le feu. Foutre le feu, trouver des hordes et balancer des bombes dessus et que les hordes se déplacent et qu'elles mettent le feu partout et que toute la ville flambe. C'est le but du jeu. On est vénère, on est assoiffé de feu et de flammes. Donc là on commence à avancer, on se dit il y a pas mal de monde quand même, hein. On pensait avoir fait le ménage, à chaque fois on fait des descentes, à chaque fois on fait le ménage et à chaque fois on repart et à chaque fois il y a des nouvelles hordes. Et là, oh là là, là on se dit oh ya 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 ya, regardez-moi. Regardez-moi tout ce monde. Regardez-moi ce bazar. Ouais, on va mourir dans l'honneur. Je crois qu'il a pas tort. Aïe, 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 aïe. Donc là, j'essaie de retrouver le spot où on avait abandonné la dernière voiture. Le dernier véhicule qui démarre plus. Mais je sais qu'il y a du matériel derrière. Malheureusement, on avait calé en plein milieu de la route et... et voilà, c'était juste là. C'était juste là. Donc lui, Dame 5965, il avait quitté la voiture et moi aussi. On était partis chacun de notre côté. Et moi, j'étais parti par là. Donc là, je vais commencer à rechercher mon cadavre. Je sais que je suis mort dans un coin à côté d'un magasin. Alors là, je recherche et là, ouais, je crois que c'est juste en bas à droite que je suis mort. Donc là, je vais traîner un petit peu dans le coin pour voir si je retrouve pas mon cadavre. Parce que j'ai beaucoup de matériel dessus, notamment des cigarettes. On peut voir en haut à droite là que mon petit bonhomme est stressé, qu'il a besoin de fumer. Et j'aimerais bien retrouver des cigarettes. Et je sais que mon personnage en avait 370 sur lui. Ce qui est non négligeable hein, dans cette partie, pour ceux qui connaissent. Donc là, je cherche, clairement. Là je vois un gars qui lui ressemble, je me demande si c'est lui. Et mon frère il comprend pas parce que on discute pas oralement, on discute que par écrit. Donc il comprend pas ce qui se passe lui. Lui il est dans la voiture, il est sur le siège passager, et il se dit et il attend, il est là. Donc il comprend pas. Si je m'arrête, est-ce qu'il faut descendre, est-ce qu'on descend pas, voilà. Donc là en fait il le sait pas mais je cherche mon gars, je cherche mon personnage. Mais je peux pas lui dire, je suis en train de conduire. Et si j'arrête le volant pour écrire, c'est compliqué. Et là, je le vois. Il est là. Il est là, mon personnage, on le voit avec son masque de soudure et son jean. Et là, je sais pas pourquoi, pendant les minutes qui vont suivre, le but du jeu, pour moi, ça va être de récupérer ce qu'il y a sur lui. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc là, je réfléchis un peu. Je sais plus trop ce qui se passe dans ma tête. Et je me dis, peut-être je vais essayer de les rassembler, tous. Et on va commencer le barbecue qui était prévu. Là, il commence à y avoir de la tension, parce que là, on est au cœur du sujet. On est au cœur de la ville, c'est là la vengeance, c'est maintenant. Et il y a du monde partout. Alors, on l'a vu, mon petit personnage, je suis passé juste à côté. Là, je me dis, tiens, regarde, il y a un gars qui sort du magasin, enflammé. C'est le moment de tous les rassembler autour de lui, pour essayer que le feu se prolifère un peu partout. Mais bon, comme il pleut, c'est un peu compliqué. Donc là, je réfléchis, je tourne en rond, j'essaie de tous bien les rameuter ici. Et en même temps, dans un coin de ma tête, j'essaie de garder un œil sur mon personnage. Alors là, ouais, là ça y est, je me décide, je me dis c'est bon, c'est le moment. C'est le moment, c'est l'heure de la vengeance. C'est parti. Bouge pas évidemment, je prends les choses en main. Je suis le maître artificier dans cette famille. Voilà, là c'est parti.
Alors lui, il veut les affronter à l'intérieur. Je sais pas ce qu'il me dit à ce moment-là, parce que les affronter à l'intérieur, c'est un peu compliqué, je pense. Là, c'est vénère, ouais. Là, c'est parti. Donc là, on va tourner en rond. On va tourner en rond pour que tout le monde, voilà, pour attirer tous ces petits gars sur le feu central, pour que tout le monde prenne feu. C'est le but du jeu. Je recherche mon gars en même temps. Je le vois plus. Ah si, il est là-haut. Ah, ça y est, je l'ai vu, on est passé juste à côté. Il prend pas feu. Lui, il prend pas feu. Là, je veux l'attirer dans le feu. À ce moment, j'ai encore espoir de dire je peux m'en sortir vivant, je peux récupérer quelque chose, je peux récupérer mon stuff, je peux rentrer à la maison. Voilà, hop, c'est moi, juste par terre. Voilà, je vais lui rouler dessus, je vais essayer de le tuer. Et je tourne en rond autour de lui pour que tout le monde vienne l'enflammer et pour essayer de l'écraser en même temps. Voilà, il est au sol, je le vois au sol et là. Je me demande si je l'ai pas écrasé en fait, je sais plus. Non, c'est pas là. Et là, ça commence à être compliqué, je le vois plus. Il est là-bas, il a toujours pas pris feu. Ils flambent tous, sauf lui, quoi. L'invincible. Il est là, il est juste là. Voilà. Et c'est là. Là, je me demande en fait si je l'ai tué ou si je l'ai pas tué. Parce que je le vois plus sur le moment avec le stress, avec l'adrénaline qui monte. On n'a pas forcément. Il faut que je surveille aussi la route, donc je peux pas regarder attentivement. Et non, je ne sais plus klaxonner. Maintenant, je m'en souviens, mais à l'époque, je me souvenais plus de la touche. Et là, je me pose la question, est-ce que le cadavre là-bas, est-ce que c'est mon personnage ou pas? Et je suis tellement, en fait, omnibulé là par ça, que je fais même plus attention à ce qui se passe autour. Là, dans ma tête, je me dis, est-ce que je descends, est-ce que je récupère mon stuff? Je me dis, mais non, c'est pas lui. C'est pas lui, il n'y a pas son masque sur la tête, c'est pas lui. Et en fait, il est juste en bas, je crois. Et on voit, il est en bas à droite. Mais à ce moment-là, je le vois plus. Et là, je sais plus. Là, ça y est. Je perds ma lucidité, je ne sais plus ce que je fais. Je sais plus ce que je fous là, du coup. Je me dis, mince, alors, reprenons nos esprits, quelle est la mission principale? Foutre le feu à la ville. Mais je cherche encore mon gars. Et là, c'est chaud. Là, je prends des risques. Là, je prends des risques pour une bêtise. Parce que retrouver mes 370 cigarettes, c'est une bêtise. Prendre autant de risques pour ça, c'est une bêtise. Mais on aime le risque, on aime l'aventure. Là, je me dis, allez, terminado, basta. Il faut partir d'ici. Donc là, je vais essayer de tous les attirer. Je vais essayer qu'ils me suivent un peu pour proliférer tout ça. Là, il y a un petit groupe. Pas suffisant pour balancer une bombe. Donc le but du jeu, c'est que tous ceux du centre commercial, ils viennent par ici. Il est midi 30, il fait gris, il pleut. La ville brûle. Et là, je repère un nouveau petit groupe, je me dis, allez. Là, je balance une bombe. C'est juste à côté d'un bâtiment. En plus, avec un peu de chance, il y en a qui vont rentrer dans le bâtiment. Et ça va flamber. Et c'est là que tout va basculer. Le moment où tout a basculé. C'est maintenant. Regardez bien. Regardez bien. Là, je rentre dans ma voiture. Je fais pas attention. Et en fait, elle m'a touché. Je pense qu'elle m'a mordu. Et là, je fais pas attention. Je suis serein. Je me dis, j'ai balancé ma bombe. Mission accomplie. Tout va bien. La vie est belle. Et hop, c'est reparti. On est content. Et moi, je fais pas attention. Et je suis en train de mourir. Et je le sais pas à ce moment-là, je suis serein, je me dis allez,
Là, je les attire dans la petite forêt, là. Comme ça, ils vont tout cramer. Et là, je meurs. Et à ce moment-là, je comprends pas. Je sais pas. On a cherché à savoir, à comprendre avec mon petit frère après. Je pensais que j'avais foncé dans un arbre ou quoi que ce soit. Et en fait, non. Juste avant, pour balancer une bombe, je me suis fait mordre. Voilà. Et c'est ici que l'aventure s'arrête.